Souvent, je peux m'asseoir faire au moins 3 heures comme ça, sans connexion. Onze correspondent Seidou is van Ouagadougou op weg naar het dorp Tenga, 100 kilometer verderop. De Burkinezen zitten ver onder onze gemiddelde schermtijd, vooral buiten de stad. Niet omdat ze niet verslavingsgevoelig zijn, maar simpelweg omdat daar nauwelijks bereik is. Maar de mensen in het dorp willen ook wel eens iemand kunnen bereiken. En daar heeft een slimme zakenman iets op bedacht. Ook in Burkina Faso lopen dorpen leeg. Veel jongeren trekken naar de stad om te werken. Dat deed Seini ook. Maar hij kwam terug met een businessplan waar het hele dorp van profiteert. Je me demande même comment ici vous faites pour rester en contact avec le monde. Ici? Bon, vraiment on souffre. Bon, s'il n'y a pas de connexion, je sens un grand vide en moi. Je sens qu'il y a quelque chose vraiment qui me manque. On souffre, mais quand même on a ciblé quelques endroits où on peut avoir du réseau. Quand je passe dans ces endroits, je sens que mon téléphone vibre. Donc il y a, ce sont les notifications de WhatsApp qui voilà, les SMS. Et quand je dépasse un peu, je n'arrive plus à écouter les vocaux. Donc mais si je reviens encore, je vois que j'arrive à écouter. Et là c'est comme ça que j'ai repéré un peu les quatre coins. Op een van die hoeken heeft Seini met behulp van een zonnepaneel een kantoortje opgezet. Daar verstuurt hij voor omgerekend een euro voice apps voor zijn telefoonloze dorpsgenoten. Dat klinkt duur en dat is het ook. Maar bellen is in Burkina Faso nog 5 keer duurder. Alors dans ce village ici les gens ont des frères qui sont hors même de la ville. Qui sont il y a d'autres même qui ont leurs enfants hors même du Burkina. Bon, le plus souvent, les gens utilisent SMS vocal. Bon, parce que, on peut dire même, bon, la majorité même du village, les gens sont analphabètes. Les gens ne peuvent pas écrire un SMS. Quand j'étais parti à Ouaga pour travailler, c'est là-bas que j'ai appris WhatsApp avec mes camarades et autres. Et c'est là maintenant que j'ai eu. Et quand je suis revenu, maintenant, je voyais que tout le monde venait chez moi pour que je puisse les aider à envoyer des SMS, WhatsApp, des messages, des appels vidéo. Et je ne réclamais rien en ce moment. Souvent, il y a un problème de réseau aussi qui est là, parce que le réseau, la connexion n'est pas trop fluide que ça. Souvent, je peux m'asseoir faire au moins 3 heures comme ça, sans connexion. On est en En zo blijven de zaken voor Seini nog wel even lekker lopen.